On entrepose tout ça. Je pense qu'on a besoin de rien vraiment pour l'événement Halloween. Je pense que tous les villageois, ils nous donnent tout. C'est juste pour construire après qu'on a besoin de citrouilles, mais je pense pas qu'on ait besoin de citrouilles le jour même. Du coup, je vais juste changer la date et passer au 26 directement. Comme ça, je veux juste qu'ils m'apprennent les réactions. Une fois que j'ai ça, je peux même me barrer. Parce que j'ai déjà la tête de Mister Citrouille. C'est pas son nom, mais j'ai oublié son nom. Vingt-six octobre, c'est là. C'est le 10 octobre. Je sais pas s'il faut mettre le soir. Ça commence à 18 h, non? Un truc comme ça, je crois. Ok. Ami en ligne. C'est qui, lui ou elle? Y a Gulliver! Génial! Yes, génial! J'ai besoin, tant que je peux prendre des canons. Moi, je suis partante, hein. Oh non, j'ai oublié d'acheter des tenues de plongée. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Bon, c'est pas grave. D'abord Halloween, ensuite tout le reste. On va enlever ses lunettes. C'est pas que, mais. Voilà quoi. Alors, est-ce que c'est Halloween aujourd'hui? Est-ce qu'il est là, monsieur? Faites-moi peur. Pensez qu'il est là? Pensez que c'est pas le 26 octobre? Peut-être que je me suis trompée dans la date. Je dirais bien que je me suis trompée. Qu'est-ce que. Foudi, mon Kiddy, tu arrives juste à temps pour être le premier à qui j'annonce la nouvelle. Voilà. Mais j'ai décidé de déménager. Ce n'est pas que je ne plais pas ici, loin de là, mais je crois qu'il est temps pour moi de changer d'air. Le monde évolue, et ce n'est pas en faisant du surplace que je volerai avec lui. Quoi? Non, reste, mec. Tu m'as pas encore donné ta photo. Tu peux pas partir tant que tu m'as pas donné ta photo. Là là, ils comprennent rien, ces villageois. Ta photo, c'est ton billet de sortie. Bon, alors je pense que je me suis trompée là. Le 31 octobre. Bah ouais. 31 octobre à 17 h. J'y étais pas du tout. Ça fait plaisir de tomber sur toi. Et si on discutait? Ben, toi, tu pars, donc je vais pas te parler. Toi, alors. Tiens, tiens. Oh, il est déjà si tard. Le temps est passé méga vite quand on s'éclate. Je sais pas lire, excusez-moi. Ah, ben tiens, tu tombes bien. Je faisais une partie de cache-cache tout seul et j'ai gagné. Je galère. Je faisais une partie de cache-cache toute seule et j'ai gagné. C'est ce que je voulais dire. Mais j'aime bien en fait ce petit quartier-là. J'aime bien. Ça rend bien surtout. Surtout le soir comme ça. Ça rend super bien.
Non, je peux pas passer là. Ça revient, ça fait un petit lieu cosy. Ok, lui, je pense que je vais le descendre, par contre. À la base, je voulais le mettre en haut pour qu'on puisse regarder. Depuis sa maison, pour qu'on puisse regarder Grand Line, mais... C'est... Voilà, on peut pas, de toute façon, donc je vais le redescendre. On peut faire ça, d'ailleurs. On peut le faire... Tout de suite. Il y a ça, là. Ça coûte tellement cher, ce truc. Ça coûte, je crois, 1 000 000, un truc comme ça. Non, 100 000, en fait. J'ai pas compté. C'est parfait. Je vais l'utiliser pour la marine aussi. J'ai plein d'idées en tête, donc... J'aime bien trouver des petits objets comme ça. Oh, je peux acheter des citrouilles, mais non, merci. Je peux acheter aussi des bonbons, je crois, mais non, merci. Non, je peux pas. Ah ouais, je peux. C'est juste là, devant mes yeux. J'avais pas capté. Mais bon. Tout ça, c'est pour acheter un maillot de bain. À ces incapables. Non, de toute façon, j'ai plus de sous. Donc, désolé, je bouge encore. Vous allez entendre le fauteuil à côté. Voilà. Je dépose les maillots. On passe au 31. Quand il part, lui, Stéphane, je serais tellement contente. Il faut qu'il s'en aille. Hein. Il faut que tu partes, Stéphane. Stéphane. Je vais dire Stéphane. Il faut que tu partes, Stéphane. Il faut que tu t'en ailles. Autant pour moi, donc c'est le 31. 17h et pas le 26 à 18h. Du coup, il y a quoi le 26? Il y a pas un jour où il y a pas une fête qui se passe le 26? J'ai déjà fait avec le film, me semble, l'événement Aurore. Ah oui, je l'ai fait. Je l'ai bel et bien fait, il me semble. Ou peut-être pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au camping? Quand je vais enregistrer mon île et pour faire une dream adresse, il faudra que je fasse un jour où il y a le camping. Il faudra que je fasse le soir. Je voulais faire pendant la saison des... Comment on appelle ça encore? Des cerisiers, donc quand les arbres sont tout roses, parce que je voulais faire un quartier de la marine tout rose. Il y a tellement de... d'éléments à prendre en compte. C'est vrai que je trouve le jour, pendant la saison des cerisiers, où il y a quelqu'un à mon camping, et que je le fasse à vers 18h. J'ai juste à te refaire... 18-19h ou le matin tôt. Oh ouais, j'aurais dû me douter que je m'étais trompée. Il n'y avait pas la musique. Je suis trop bizarre. Le mec, il est obsédé par moi, Aaron. Quand il ferme les yeux, il me voit. En fait, même aussi, mes villageois n'étaient même pas déguisés. J'aurais dû me rendre compte que c'était pas le bon jour. Hein. Ouais.
Je vais les lâcher là. Voilà, on a complété notre liste. On a tous les objets. On peut commencer à faire notre bateau de la marine. Faut pas se faire attraper parce que je n'ai pas de bonbons. Alors, faut éviter tout le monde. Bon, il n'y a personne ici, c'est parfait. Alors, je vais me déguiser. Youpi. L'armoire Mimi. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, la barbe. Je vais mettre une barbe. Vous dites que je me déguise en roi des pirates? C'est parfait comme idée. Avec ça? Non. Je vais tous les faire se déguiser. Oh, attendez, c'est ça la tenue. Roi des pirates. C'est ça? Ça fait pas très roi des pirates. Hein. Ça fait pas très pirate en fait cette tenue. Je vais mettre ça. Ça fait pas pirate du tout, ça. Mais bon. Ah, je sais plus quoi mettre, moi. Du coup, voilà, je suis complètement... Bon, ben... Je sais pas. Je vais mettre ça, alors. Oh, ça c'est bien. Des lunettes? Oh. Il est bien ce mec. Personne ne va savoir que c'est Luffy. C'est un déguisement. J'aime bien la barbe blanche. Ah, attendez. Oh, oh oui. Des chaussettes. Si on lui met des chaussettes, mais on lui met pas de chaussures. Ah, c'est trop bien. Et puis ça. Waouh. Waouh. On lui met cette barbe là plutôt. Ça fait plus pirate. Ok, c'est parti. Donc, il faut que j'arrive à... Oh non! Oh non! Je me suis fait avoir! J'ai pas de bonbons, meuf! Je suis désolée, Roberta! Je suis bien contente de te voir le jour des festivités d'Halloween, petit bout! Ouais, ouais, ouais... Tu as des bonbons? Gare à toi, si tu n'en donnes pas, qui t'en réclame? Mec, j'ai pas de bonbons. Et donc? Un bonbon ou une farce? Une farce. Attends, tu n'as aucun bonbon? Oh, c'est fâcheux, très fâcheux. Oh, je sais. Moi, je vais t'en donner. Utilise-la à bon escient. Oh, merci, Roberta. Merci. Maintenant, tu vas pouvoir profiter pleinement d'Halloween. Attention, la prochaine fois, je ne te donnerai plus de bonbons. Ce sera ton tour de m'en offrir, Monkey D. D'accord. Désolée. Merci, elle m'en a donné trois. Elle est trop gentille. Ok, donc elle va plus me courir après. Oh non! Non! Là! Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour mes villageois. Du coup, ils seront tous au même endroit. Il faut réussir à s'infiltrer là. Attention, faut pas que je me fasse... Ah non! Non, il m'a repéré! Un bonbon, un tour!
Donne-moi un bonbon. Sinon, il va t'arriver rien de bon. C'est pour toi. Elle aussi, elle va me voir, c'est mort. Elle est juste à côté de moi. Elle fait comme si elle m'a pas vue, mais après, elle va me sauter dessus. Je m'attendais pas à ce que tu aies un bonbon. C'est pas grave, je le prends quand même. Allez, je devrais sûrement te donner quelque chose en échange. Tu veux une déco de table Halloween? C'est de saison. Qui n'aime pas Halloween? Mugiwara, c'est ma fête préférée. Tu sais quoi? Je vois bien que tu t'es dépensé à beaucoup de pourcents. Alors je vais te donner beaucoup plus de pourcents en échange. Laisse-moi t'apprendre une nouvelle mimique. Ok, c'est ça que je voulais en fait. C'est ça que je veux. Je veux que tous mes players puissent avoir les réactions. Donc il y a celle-là et puis il y a une autre aussi. Il y a la réaction hantée. Alors là, les gens, on peut lui échapper à Nadine. On peut s'enfuir. Allez, un pirate, ça nage. Vite, rentre dans l'eau. Rentre. Je pense qu'on peut le faire. On peut échapper à Nadine. Ah, attention, il y a Tom. On peut pas accoster ici. Ce serait trop bien que je les déguise tous en marin. Et ensuite, je filme pendant la période d'Halloween. Comme ça, à chaque fois qu'ils se font repérer, les gens commencent à leur courir après. Ils seront tous en mode pirate. Et comme tous les villageois sont décorés en marin, ça fera comme si c'est la marine qui poursuit les pirates. Cours. Ah. Bonjour. Incline-toi devant Jaco, le seul et unique empereur d'Halloween. Alors, il faut que je lui donne un bonbon à lui. Vas-y, prends ton bonbon. Je te suis obligé. Ok, vas-y. Plus vite. Bon, si vous êtes là pour lire, désolé, parce que moi, je passe. Tiens, Altesse. Lol. Le mec lui dit tiens et Altesse à la fois. L'heure est venue de me régaler. Va-t'en. Va-t'en, Léopold. Va-t'en. Ah, il me fait peur. Ah, il me faut des bonbons, tu comprends, Léopold. C'était délicieux, ma citrouille. Oui. Ah, c'est Jaco, son nom. Jaco. C'est cette réaction-là qui me manque. Arrête de nous foncer dedans. Ça suffit. Devant tes yeux ébahis, je présente un masque Jaco. Fabuleux, ma citrouille. Ta mission peut désormais réellement commencer. Tu vas devoir quérir le nec plus ultra des friandises. J'ai nommé les sucettes. Bon, allez, je vais récupérer les sucettes. En fait, il faut que j'arrive à pouvoir entrer dans les maisons d'autres habitants. Il y a ceux qui vous poursuivent et il y a ceux qui sont chez eux. Ah, allez, tu vas le regretter. Oui, je vais le regretter. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, il y a Léopold là. Léopold, va-t'en. Il va m'avoir, c'est mort. Ah, ça y est, je l'ai. Bah, c'est bon, je peux quitter. Ne me cours pas après. S'il te plaît, ne me cours pas après. Je vais rester immobile jusqu'à ce qu'il bouge. Bon, alors je fais une réaction. Peut-être si je fais une réaction. Vous voyez, là, j'ai toutes les réactions. Juste parce que j'ai débloqué celle-là, j'ai toutes celles qui viennent avant. Oh, 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 oh. Alors, il faut que j'arrive à partir en courant. Il faut que j'arrive à partir. Yes! Je lui ai échappé. Alors là, il y a qui est chez lui là? Ah, Rosine. Rosine, je t'aime. Elle va me donner des bonbons, c'est parfait. Ya.
Mouahaha, bienvenue dans la plus cool des maisons terrifiantes. Tu t'éclates, player 1? Mouahaha, j'ai assez de bonbons pour nourrir toute l'île, même les insectes. Tiens, c'est pour toi. C'est le jour où la frousse peut venir de n'importe où, n'importe quand. Elle m'a donné un bonbon, donc maintenant j'en ai deux. Attention. Elle enfonce dans l'eau. Ah yes! Tu m'as raté. Y'a qui d'autre qui est chez lui là? Personne sur cette plage là. Est-ce que la voie est libre? Non, il y a Tom. On fait demi-tour. Ok. Ici. On va accoster ici. Fonçons vite! Ah! J'ai réussi à leur échapper. Bonjour, Dalma dit bonbon, s'il te plaît. Joyeux Halloween! Je t'ai dit que ça fait des lustres que j'attends cet événement. J'accepte de partager mes bonbons, mes haltères, jamais. Alors profite-en. Ça me donne trop envie de filmer. Je pense que je vais commencer à... Une fois que j'ai les réactions, je vais commencer à filmer les petits sketchs. Ah, vite! Faisons face au mur. Est-ce qu'il y a un ennemi caché quelque part? Ah. Non! Quelqu'un m'a repéré! Ah, c'est lui! Il m'a vu! Il m'a vu, mais il ne peut pas. Il est coincé en haut. Tant que j'ai repéré une maison ici. Il faut pouvoir accéder à cette maison sans se faire repérer par quelqu'un d'autre. Lui, il ne peut pas nous attraper, donc c'est bon. Une fois qu'on aura descendu sa maison, ce sera mort. Vite! Ah, yes, I made it! Gabin! Coucou! Halloween! Ça Halloween bien pour toi? Pourquoi elles n'arrêtent pas de dire des choses bizarres? J'ai déjà du mal à lire, mais s'ils mettent du n'importe quoi, c'est encore plus compliqué. Quand j'ai fait ma réserve de bonbons pour aujourd'hui, j'en ai réservé quelques-uns pour toi. Oh, merci Gabin! Bon, alors il y a. Comment il s'appelle là encore? Jaco qui veut que je lui ramène une sucette, mais Jaco, au revoir. Je pense que j'ai tout là, j'ai tous les gens. Donc il faut que j'arrive à déposer le colis sans me faire repérer. Quel pourcentage de chance y a-t-il qu'il y ait quelqu'un à la sortie qui m'attende pour un bonbon? On y va. On y va. Soyez prudents. Je vois un gardien ici. Vite, courons. Ah. Ah, yes. Yes. J'ai réussi.
Je me dis, il faudra peut-être que je rajoute un plieur en fait, pour faire une petite maison. Genre une sorte de petite... une petite cabine. Ce serait pas mal de faire ça, je me disais. Y a quelqu'un au camping ou pas là? Y a personne. Je prends des risques. Y a personne. Je sais qu'il y a personne. Ils peuvent pas venir de ce côté de l'île. J'entends mon oreille qui siffle. Qu'est-ce que ça? Pourquoi tu siffles? La musique n'est même pas forte. Je pense que quand tu laisses le casque trop longtemps, ça fait siffler les oreilles. Ça doit être ça. Parce que moi, le niveau du casque, il est très faible. Hein. Je déteste quand le niveau est trop fort. Bon. Alors. C'est parti. Je fais juste un petit tour du jardin. J'aime bien mon petit jardin à moi. Oh, regarde tout ça de vieilles plantes qui ont poussé. Ah ah ah. Je teste le micro. Au milieu de tout ça. Toi, tu n'as rien à faire là, petite fleur. Toi, tu n'as rien à faire là. Tu n'es pas dans le plan. Pas tant. Là aussi, il y a une fleur de trop ici. Disons que c'est toi. Hop, voilà. C'est bon là. Ah, ça sera dur pour eux. Ils auront à récupérer leur maillot de bain avant. Ce sera tellement dur leur vie. Ok. On peut changer de perso. Ouais, je suis déjà en train d'imaginer des petits sketchs que je pourrais faire une fois que j'aurai toutes les réactions. Ce sera trop bien. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Après, avec mon niveau en montage, je suis pas sûre que ça va donner exactement ce que j'espère, mais ce sera quand même trop bien. Ah, c'est bien, aujourd'hui, mon ordi, il a pas trop chauffé. Il est bien, il est bien. Il fait du bruit, mais je pense que je pouvais pas l'entendre de là. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est tout. Ah, j'ai peut-être montré des infos qu'il fallait pas que je montre. Faudra que je vérifie ça au montage. 1 minute 41. Attention, 1 minute 41. Va-t-il être capable de traverser la ville sans maillot, sans option, sans plan B, sans se faire repérer? Are you ready, Usopp? Are you ready to do this? Merci, Aaron. Merci, AJD. Qu'est-ce que c'est? Un bidet, voilà. Fanion. Baignoire. Ok. Vas-y, Usopp. Tu peux le faire, Usopp.
Oh, des fourmis! Ça me fait sursauter, je trouve ça tellement moche les fourmis. Je suis désolée tout le monde, mais je trouve que les fourmis sont dégueulasses. Ça me fait toujours peur quand je les vois, je n'aime pas ça du tout. C'est parti, Usopp, il faut que tu sois invisible. Tu peux pas te les faire repérer, ok? On compte sur toi. Repérer les maisons des habitants qui peuvent nous aider dans notre mission. Quoique. Non! Ah, je me suis fait avoir. Bonjour. Ok, c'est Halloween. Tu veux des bonbons? Ça tombe bien, j'en ai quatre. Enfin, comme dit, je veux pas te mettre la pression. Des friandises? Ou un sort! Bon, je vais pas te refaire toute la chanson. Ouais, ne me fais pas la chanson. Juste, donne-moi le bonbon. Je veux dire, voici le bonbon. Tu as de la chance. Le maléfique a d'humeur magnanime. Mais tu ne peux rien pour attendre. Le mec, il est trop méchant. Enfin, je vais te laisser partir. Les pattes vides. Tiens, ta propre déco de table Halloween. C'est pas ce que je veux, moi. Je m'en fiche de ta vieille table. Je veux une réaction Halloween. Donne-la moi. Oh, oui. Il va m'absenter. Ouais, merci. Merci. J'aurais pas dû redescendre du côté de l'océan. C'est là l'erreur que j'ai faite. Alors, faudra que je fasse vite. Ok. Personne. Non, personne. C'est bon, je crois que je suis safe. Il n'y a personne de ce côté. Je crois que je suis safe. Non. Je suis trop douée pour me cacher. Vite, Jaco! Apprends-moi une réaction, vite! Des friandises ou on sort? Oh, j'ai ton obligé, vas-y, hop, badabim, badaboum. Parfait. Allez, tiens ton Altesse, tiens un bonbon et laisse-moi partir. Rosine! Il m'apprend pas l'autre? Ah, voilà! Une mimique, merci de m'apprendre une mimique, monsieur Jaco. Tu vas le regretter! Ah! Va-t'en, Rosine! Va-t'en! Super. Alors du coup, là si je regarde dans mes réactions, what? Non. J'ai rêvé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pensais que ça m'aurait tout donné, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout.
Ah, oh là là, faudra que je joue. Faudra que je joue. Ça m'a donné aucune nouvelle réaction. Je fais tout ça pour rien. Ça sert à rien, alors j'arrête l'événement Halloween du coup là. Il sert à rien l'événement Halloween du coup. Alors lui, il lui faut une perche. Ah, un maillot. Vite! Voilà, la puce est cachée là. Ah, oh, c'est trop dommage. Je pensais que ça me donnait des réactions. Bon, c'est parti. Pouf. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Faudra que je joue en fait pour avoir les réactions, pour faire mes petits sketchs. Après, le fille player 1, il a toutes les réactions. Il me semble qu'il en a pas mal déjà. Donc, ça devrait être. Si on peut les utiliser, en fait, quand on va chez. Comment il s'appelle l'autre là déjà? J'ai oublié comment il s'appelle. Il s'appelle comment? Le gars Peace and Love là, qui fait des photos. Disons qu'il s'appelle Albert. Hein. Quand on va chez Albert, je pense que tu peux utiliser les réactions de tout le monde. Il faut arriver sans se faire repérer. Tiens, je te donne des bonbons. J'ai absolument aucun respect pour Jaco. Paravent coquillage. J'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un, j'ai plus de bonbons. Non! Ah, je me suis fait repérer, Nadine! Nadine! Je n'ai pas de bonbons, Nadine! Vous voyez, imaginez qu'elle est décorée en. Regarde la marine, ça fait qu'ils sont en train de me poursuivre. Ah! Lui aussi il m'a repéré, mais il va pas. On peut pas en avoir deux à la fois. Lâche-moi là, mec! Laisse-moi passer! Est-ce qu'elle me poursuit toujours? Ah, c'est lui qui me poursuit maintenant. Ok, mais j'ai pas de bonbon, ok? Un bonbon ou un tour? Donne-moi un bonbon, sinon il va t'arriver rien de bon. Attends, tu n'as pas le moins de bonbons? Oh là, Mugawa, tu peux te vanter de me faire suer. Très bien, je vais faire un geste. Des bonbons ou une farce? C'est moi qui t'ai trouvé là, mec. Tiens, voici ton bonbon. Ouais, fais le triche là. Une guirlande d'Halloween, merci. Donc, je vais lâcher les bonbons là. Lâcher. Alors. Je voulais me décorer en fait. Parce que le fils, lui, il s'est déguisé. Alors pourquoi pas Usopp? C'est parti, Usopp. Montre-nous ce que tu peux. Il a rien comme vêtement, le mec. Il a rien, c'est trop triste. Bon, ben voilà. C'est à Usopp. Ok. On passe. Au joueur suivant. Je sais ce que je vais faire pour les réactions.
Je vais jouer avec les autres personnages, du coup, j'ai pas le choix. Je vais faire ça. Je vais mettre une sorte de petite musique relaxante en bruit, enfin pas en bruit de fond, mais en background music. Ok, donc voilà, du coup, l'événement Halloween, c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Je pensais que ça donnait les réactions, mais non. Du coup, je suis trop triste. Je suis trop triste. Donc, ouais, je pense même, vous voyez, ça n'a pas trop d'intérêt là, puisqu'il se passe pas grand-chose pour Halloween. Donc, je pense que je vais vous dire au revoir sur cela en fait. Je vais vous dire au revoir et je sais pas, j'en ferai une autre vidéo let's play, mais pour autre chose. Je pense pas que je ferai le jour de l'an parce que je pense que le jour de l'an ce sera la même chose, j'aurai rien à faire. Donc voilà. Peut-être sur d'autres choses que j'aurai à faire, à préparer, par exemple la pêche ou la plongée, parce qu'il y a des animaux marins que j'aurais bien aimé pouvoir utiliser comme décoration de plage. Donc voilà, je pense pas qu'on va faire plus que ça pour cette vidéo. Du coup, c'est beaucoup plus calme que ce qu'il y avait la dernière fois. Et bon, on se verra peut-être un autre jour pour une autre vidéo let's play. Ça sera... Donc voilà. En tout cas, je sais pas si vous avez fini vos corvées, votre ménage, vos devoirs ou votre sieste. Je sais pas ce que vous faites en même temps que vous regardez. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée si ça commence. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé.